Bonjour mes chouchous. Alors, la boîte Click and Flick, enfin, la box est arrivée. Donc, on va la déballer ensemble. On va regarder ça. Alors, comme d'habitude, dans toutes les boxes, hein, on a les planches de style, comme ça, et on a un petit mot de la styliste. Alors, donc chère Isabelle, voici votre première box Click and Fit. J'ai mis beaucoup de soin à choisir les produits qui vous correspondent. Donc voilà, il m'explique et tout. Les petites planches de style, mais bon, je vais pas les regarder parce que je veux voir la surprise, comme vous. Et puis, voilà, je vous mettrai en barre d'infos, il y a un bon de parrainage. Donc, je vous mettrai le lien du parrainage sous la vidéo. Donc, voilà. Ça. Voilà. Alors, la facture, on va voir après. Alors, en premier, un sac, tiens. Sac seau. Tout simple. Moi, c'est pas le style de sac que j'aime bien. Alors, ça c'est de la marque Pièce. Et il est à 34,99 €. Hein, donc on resserre là, mais c'est d'entrée qu'il va repartir. C'est pas du tout mon style. Moi, j'aime bien les grands sets. Donc, déjà. Ah, alors là, il y a quelque chose qui me plaît bien. Un petit t-shirt de chez Pièce oui, et ben, j'ai pas le prix. Bizarre. En taille XL. Alors, il est rose. Avec des petits traits, je ne sais pas si vous verrez, liseré, ça brille un petit peu, je ne sais pas si c'est bon. Comme ça, rose, à voir, il est sympa, à essayer. Je vous mettrai tout après les essayages à la fin. Alors ensuite, on dirait une matière comme un pull. Alors, ça, je dirais que ça doit être le haut Elcos. Une nouvelle collection. Celui-là. Donc, il est plus petit devant et plus long derrière. Manche 3/4. Et la matière, c'est comme de la laine. Si vous voyez bien, je sais pas si ça va apparaître. C'est tout doux. C'est chez Only, la marque Only. Voilà. Colle assez large. Donc, on va voir. Sympa. Alors, ensuite. Alors, la marque Villa. Ça, c'est un. Bah pareil, le prix, je ne l'ai pas. Alors, petite blouse. Ah, enfin, je dirais même petite chemise parce que il y a les boutons. Comme ça. Petit bouton de la même couleur. Très fluide. Manche longue. Avec dans le dos un pli d'aisance. Donc, ça doit être assez sympa à porter. J'aime bien le col là, comme ça, qui fait un peu chemise, un peu assez sympa. Alors, la couleur, je dirais rouille, un petit peu, pas rouge, hein, rouille. Donc, pareil à voir. Et un jean. Alors, slim, un peu destroy.
Alors, là, ici. Ah, il m'a l'air assez souple, cette chez pièce. Et est-ce que j'ai le prix? Alors, taille 30, donc ce qui veut dire taille 40, il est à 39,99. Et le jean, il est soldé. Donc, l'air sympa. Maintenant, on va bien voir. Slim. Et en bas, il est un petit peu râpé comme ça. C'est assez sympa. Sur les poches. J'ai l'impression qu'il est taille haute en plus. Donc, on va voir. Si ça va. À tout de suite. Alors, voilà. Alors, le t-shirt, il est sympa. Sauf que il me colle un peu trop. On voit mes bourrelets là. Le col, sinon, super sympa. Les manches, bon, ça peut aller. Mais alors, vous voyez, là, il me colle. Donc, c'est pas la peine. Le t-shirt, c'est pas la peine. Par contre, le pantalon, c'est nickel. Il me va très bien. J'aime beaucoup. Je vais montrer un peu plus loin. Voilà ce que ça donne. Voilà. Le jean, je pense peut-être, mais alors le haut, il va repartir. Alors le haut, par contre, celui-là. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Avec ce jean en plus, ça va super bien. C'est nickel. Je trouve qu'il ne me colle pas trop. Bon, au niveau des bras, ce sont d'ici quelques mois, tout ça va partir. Je passe à ta d'opération. Donc avec le col comme ça, j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup en plus, il est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est assez sympa. Ouais. Ça, je pense que ça va peut-être rester ça. Ça pour la rentrée. Assez sympa. Bon. Alors là, je suis sympa, mais le problème, c'est. Et oui, j'ai des boobs. Et les boobs, ça tire là. Ça fait pas beau. Et là, ça me serre. Sinon, elle était sympa. Elle descend bien. Elle colle pas à ce niveau-là. C'était impeccable. Mais là, dès que je fais ça, je bouge, ça fait. Voilà. Et ça, j'aime pas. Même si je l'ouvre un petit peu, on va essayer. Ouais, ça fait un peu. Non, ça fait un décolleté trop important. Donc là, c'est pas possible. C'est dommage parce que franchement, j'aimais bien. Alors, donc la blouse Vichy Ketchup rouge, moi je dirais plutôt rouille. Hein. Nouvelle collection, elle est quand même à 34,99. De toute façon, ça, elle repart. Le sac seau en solde à moins 60%, il était à 13,50. Mais comme j'aime pas, ben, ça va partir. C'est pas du tout mon style, ça fait. Enfin, je sais pas, j'aime pas. C'est. J'aime bien les grands sacs où je peux mettre plein de choses dedans, comme beaucoup de femmes. Alors, le haut, PC Bilot rayure rose écru. Il était en solde, moins 20%, à 15,50. Sauf que il est un petit peu trop collant, on voit mes bourrelets, donc j'aime pas. C'est dommage. Ensuite, j'ai le haut que j'ai là, le haut Elcos avec les manches longues, bleues, nouvelle collection. Ah, oh, bah je suis surprise. Il est à 19,99. J'aurais pensé qu'il était beaucoup plus cher que ça. Et le jean Daily bleu en taille 30, c'est-à-dire en taille 40,
Eh oui, je suis une taille 40. Encore, j'ai encore des bourrelets. Mais bon, tout ça, ça va partir, ça va disparaître l'année prochaine, ainsi que ça. Donc, pour il est en solde, moins 20% à 31,50. Donc, soit pour un montant total de 115,48 €, réduction si on a 5 produits, 10%, ça fait 11 euros. Ensuite, le crédit frais de stylisme à 4,99 € de réduction, soit un total après réduction 99,58 €. Bon, ça va, c'est pas trop excessif. Donc, je pense, après c'est à voir, mais il y a de fortes chances que le haut et le jean, parce qu'il me va très très bien, me colle bien, nickel. Désolée, hein, pour le bruit. Je pense que je vais le garder, ainsi que le haut. Ouais, le jean, les jeans comme ça, j'en trouve que chez en taille en élastane comme ça, en élastane, les qui taillent vraiment très bien. En taille intermédiaire en plus, ils ont comme les tailles américaines, c'est chez H&M. Donc, ben, je pense que celui-là, je trouve qu'il est vraiment sympa. Je vais monter de marche pour vous montrer. Franchement, je le trouve assez chouette. Hein? Donc, comme d'habitude, j'ai fait des petits rebords. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre en dessous. Je vous mettrai toutes les infos, de toute façon, tous les liens, le parrainage et le lien avec les Zenfit. Et puis, ben, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben, si vous avez aimé ma vidéo, si vous voulez vous abonner, donc sur le petit carré rouge. Et puis, si vous avez aimé, eh ben, un pouce comme ça. Donc, puis si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom toujours de Isa FLC Fashion. Et je serais content que vous veniez me voir et vous me disiez ce que vous pensez de mes looks et tout. Donc voilà, c'est surtout pour montrer à d'autres femmes du même âge que moi, et ben qu'à plus de 50 ans, on peut s'habiller sympa, fashion, rock, tendance. Et pas avoir l'air d'un clown. Ben, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt.